Hey, what's up tout le monde? C'est Will Bookat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online comme première vidéo. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce qu'on va faire trois vidéos en trois semaines pour mon projet à mon école. Donc ça s'appelle ma chaîne YouTube. Donc première semaine GTA comme on va faire là. Et ensuite de ça, ça va être la semaine prochaine, on va faire du Steep, une vidéo de Steep, présentation du jeu, etc. Ensuite de ça, on va faire un petit peu de Rocket League, présentation du jeu, les modes de jeu, puis un petit peu présenter Steep. Puis ben GTA, on va le présenter aussi, comme tout sauf les choses vulgaires et donc il y a du sang, de l'alcool, puis donc c'est ça. Donc commençons, on va se retrouver tout de suite pour à GTA pour faire une petite course et je vais vous expliquer les choses de mon projet. Donc à tout de suite. Donc re les mecs, donc là on va se retrouver à GTA pour la vidéo comme je vous avais parlé tout à l'heure, donc dans mon intro. Donc avec suggérer la T20 ou Italie GTB. Donc je vais prendre ma Italie. Donc je me retrouve avec ce que je vous ai dit pas mal dans mon plan. Alex, LOL, après ça Nat, mais Nat il peut pas, donc il sera pas là. On se retrouve aussi avec Nico Gamer et Sam Durant. Ok, donc pour un petit parcours aller-retour dédié à, que j'ai pas créé mais que j'ai trouvé et qui est dédié à Bysonka, un bon youtubeur que j'aime bien. Donc ça va pas très bien pour commencer. Elle est trop puissante. Donc ok, donc commençons. Aujourd'hui je vais parler à bannière. Donc aujourd'hui dans le fond GTA c'est un jeu de course, un jeu de voiture, un jeu de drift, c'est comme vous voulez, qu'on peut modifier des voitures. On peut modifier des voitures. Et aussi, il y a de l'action, genre du sang. Mais ça, j'en parlerai pas, comme j'ai dit, parce que c'est trop vulgaire comme sujet d'école. Parce qu'il faut quand même que ça reste à un sujet d'école, parce que c'est ça à la base de mon projet. Ensuite de ça, j'aurais... Donc je vais parler des courses, des activités. Donc à GTA on retrouve des courses, des activités, ensuite de ça des affrontements, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ben il y a des affaires aussi comme je vous ai dit tout à l'heure, donc qui est pas suggérable pour un, comment je pourrais dire ça, pour l'école. Donc c'est ça. Ensuite de ça, à GTA, il y a aussi donc les tenues. C'est comme un petit peu la vraie vie, on pourrait dire GTA. Mais en moins, c'est sûr que c'est bien. Puis j'adore comme jeu. Comme la vraie vie, dans le fond, faut s'habiller. On peut se mettre en bobette, en boxer, si vous aimez mieux. Mais tu sais, on peut pas se mettre à poil, quoi. Pis ça, je trouve ça bien, parce que sinon ce serait un petit peu sexiste, on pourrait dire. Mais on peut... C'est nous autres qui décident. Ben, dans le fond, il y a des magasins de vêtements. C'est nous qui décident notre style, etc. Donc, c'est nous autres qui l'achètent avec de l'argent qu'on gagne en faisant des courses, des affrontements. Donc, toutes les activités qu'on fait... Nico Edouard, donc, je disais, que je disais? Ok, ouais, c'est ça, les tenues. Donc, les tenues, dans le fond, c'est nous qui dessinons notre style. Donc, c'est nous qui achètons qu'est-ce qu'on veut avec l'argent qu'on a. Et c'est nous autres qui décident les voitures qu'on veut avec notre style, qu'on les met comme ça, c'est mon style. Il y en a qui aimeraient pas ça. Mais moi, j'adore. Ben, pas j'adore, parce que je l'aime. Mais il y en a qui me disent, ah, la nanana. Mais moi je l'aime, donc chacun nos styles. Et en fond, les tenues et les
des voitures, donc on peut acheter des voitures comme dans la vraie vie, tenues. Mais sauf les voitures, il n'y a pas de magasin de ton comme voiture qu'on a dans la vraie vie. Là. C'est vraiment genre, t'achètes ça en ligne. C'est, j'aime ça, c'est bien. Ben, on peut l'acheter genre sur, en ligne comme dans la real life, dans la vraie vie. On peut l'acheter en ligne sur les sites précis. Mais sinon, on peut l'acheter en magasin aussi. Donc, c'est comme les tenues. Mais les tenues, sauf pour pas l'acheter en ligne. C'est très rare qu'on peut acheter ça en ligne, sauf un ton usagé. Donc, c'est ça. Donc, les tenues. C'est sûr, si on n'a pas d'argent, pour pas s'acheter des tenues genre chic ou etc. Genre, il y avait plein de styles comme dans la vraie vie, genre chic, décontracté. J'y dirais pas toutes parce que j'y connais pas toutes, je me rappelle plus trop de tous les noms précis. Mais tu sais, on peut en acheter soit déjà toutes faites ou on peut s'y faire. Donc, en achetant des chandails, des t-shirts. Ou des shirts, des pantalons, des tongs, des sandales, quoi. Des souliers. Donc, c'est ça. Louval, par contre, il n'a pas m'invité, c'est chiant. Mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. On achète des vêtements. Donc, tantôt, je vais pas parler beaucoup des courses, des activités, donc je vais en parler. Comme là, je suis dans une course. Donc. Allez. C'est bon. Ok, donc là, en ce moment, je suis dans une course casse-cou. Donc, c'est nouveau. C'est arrivé dans un nouveau DLC, donc une nouvelle mise à jour. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot DLC. Dans le fond, une course casse-cou, ben c'est casse-cou. Dans le fond, t'as bien plein de jumps, t'as plein de. Oui, c'est pas comme des petites courses normales, genre comme dans la F1, là. C'est vraiment des courses. c'est vraiment genre des courses comme ça, là. Dans le fond, on saute, puis c'est le fun. Puis après ça, t'as d'autres. Des courses en moto, des courses casse-cou. Oui, t'as des courses en moto, t'as des courses en voiture, t'as des courses en bateau, t'as des courses en 4x4, dans le fond, en tout terrain. des courses. Donc, désolé. Donc, je l'ai fait. Des courses casse-cou. Mais sauf les en bateau, c'est pas beaucoup casse-cou parce que t'as moins de choses. Tu peux en créer, tandis que dans la vraie vie, t'as pas ça, t'as pas de course. T'as pas de course, c'est illégal dans la vraie vie. Donc, je fais un petit rapport avec la vraie vie aussi en même temps. Ensuite de ça, on va parler des activités. Activités. Le mot activité, c'est. T'as une activité, un ton affront. Pas affrontement, parce que affrontement, c'est une autre sorte. Affrontement, c'est avec des fusils, donc j'en parlerai moins. Mais je pourrais bien en parler un petit peu, parce que c'est pas tant tout le temps que des fusils. Mais c'est souvent des fusils. Lou, arrête. Où j'en étais-je? Donc, c'est ça. Ok, forcé. Donc, oui, c'est mes amis, donc je vais les répéter les noms. Donc, on voit Alex Maher, Nico Gamer, LOL et Sam Durand. Donc on fait la course et mais tu sais je parle des courses en bateau comme tantôt là. Moi j'aime moins ça. Les affrontements c'est dans le fond on s'affronte deux équipes on peut se tuer des fois en tout s'ils autorisent les armes mais ça j'en parlerai moins parce que c'est moins important. Oups là, désolé là. Mais je sais pas qu'est-ce que tu foutais, alors
Je sais pas s'il y a le point. Oh, c'est chiant, sinon. Oh non, je pense pas que le... Ensuite de ça, là, je tourne dans l'entour du pot. Donc, les tenues, j'en ai parlé. Les courses, j'en ai parlé. C'est dur. C'est dur de parler, je suis toute seule, puis... Ah, je sais pas trop comment que... Il y en a un, me semble. Donc j'ai triché, Oh. Ok, donc si on fait le malin, on tombe dans le ravin, comme le dirait. Donc désolé Sam, mais t'avançais pas. Ouh, il s'est revengé, le petit gamin. Donc, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout pour la première vidéo du projet ma chaîne YouTube de mon école. Et moi, dans le fond, on va se voir la semaine prochaine pour Steep. Donc, Steep, je vais vous l'expliquer. Steve, je vais présenter le jeu. Je vais tout présenter les modes ski, snow, parachute, wingsuit. Désolé la prononciation. Je vais montrer la carte. Même je peux vous montrer dans lui la carte. Dans le fond, on a tout. Même si tout le monde connaît ça un petit peu. Sauf pour moi, le projet, c'est normal. Dans le fond, je vais le montrer parce que je vais un petit peu vite. Puis là, on a toute la carte. Ici, c'est le coin sud. Et ici, c'est le coin plus ville. Ici, t'as l'aéroport, etc. T'as une plage, ici, juste ici. Même t'en as pas juste une, t'en as une autre. Mais c'est la principale que tout le monde connaît un petit peu. Ensuite de ça, ben là, regarde, j'ai fait le tour. Je suis dans l'ordre du pot depuis tantôt. Donc, je pense que ça va s'arrêter ici. Et moi, je vais vous dire à tout de suite. Donc, à tout de suite. Ciao! Donc, aujourd'hui, c'est déjà la fin de la première vidéo pour mon projet ma chaîne YouTube. Donc, la semaine prochaine, ça va être Steve. Et dans 3 semaines, c'est quand même dans longtemps, mais c'est pas grave, je vais le dire pareil. Donc, Rocket League. Ceci signifie, abonnez-vous. Lâchez un petit pouce bleu. Dites-moi si vous avez bien aimé ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ou à la semaine prochaine. Ciao!